Petite chanson pour tous les cœurs. Les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir. D'espoir. Ya Allah, ya Allah. L'association France Palestine Solidarité de Lyon, la FPS 89, est soutenue par 10 organisations associatives, syndicales et politiques que j'inviterai tout à l'heure à prendre la parole. Donc ça n'a vraiment pas été facile d'organiser ce rassemblement, vous l'avez peut-être vu hein, si vous nous avez un petit peu suivi, dans le contexte où le gouvernement tente de faire taire et criminaliser même tout mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Donc le préfet de Lyon avait choisi tout d'abord d'interdire simplement notre rassemblement, alors pour un motif de vigilance attentat, sauf que derrière cela il y avait des arguments d'une mauvaise foi incroyable, qui faisait l'amalgame entre le fait de dénoncer la politique du gouvernement israélien et de l'incitation à la haine. Mais clairement, le préfet de Lyon a voulu interdire une manifestation pour la paix. Donc c'est absolument scandaleux, c'est pour ça que nous avions déposé hier avec nos amis de la LDH, du MRAP, de la FSU, de Solidaire et du PCF, un référé liberté auprès du tribunal administratif de Dijon, pour dénoncer cette atteinte grave à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation et pour tout simplement faire lever cette interdiction. Et on a eu gain de cause, on a eu la réponse en tout début d'après-midi. Le tribunal nous a donné raison et a même condamné l'État à verser une somme qui permettra de payer les frais d'avocat. Donc c'est une victoire, c'est une très belle victoire. Mais ça montre qu'il faut rester extrêmement vigilant et ne rien lâcher parce qu'on ne va jamais nous laisser tranquilles. L'attaque des commandos du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait de nombreuses victimes civiles, a provoqué une très grande émotion. Et cette émotion, elle est légitime. Et nous condamnons fermement et sans aucune ambiguïté ces crimes de guerre et ces atrocités. Et c'est d'ailleurs une insulte pour nous, militants de la paix, militants pour les droits humains, militants antiracistes, que nous puissions être accusés de cautionner de tels crimes. Mais cette émotion, elle ne peut en aucun cas être instrumentalisée pour procéder à l'élimination d'un autre peuple. Car c'est ça qu'il se passe à Gaza, en ce moment même, avec la punition collective qui est infligée par l'État d'Israël. C'est un nettoyage ethnique qui se déroule sous nos yeux. Certains observateurs parlent même de génocide, avec des massacres de masse et des déportations de plus d'un million de personnes. L'objectif du gouvernement d'extrême droite israélien est clair, rayer Gaza de la carte. 4137 Palestiniens assassinés, 13162 blessés, parmi eux plus de 1000 enfants, et encore ce sont les chiffres du 20 octobre, donc depuis ça n'a cessé d'augmenter. La bande de Gaza est victime en continu de bombardements généralisés d'une intensité sans précédent.
1 million de personnes jetées sur les routes, l'arrêt de la distribution d'eau par un manque total d'énergie, des coupures d'électricité, la pénurie de nourriture, pénurie de médicaments, pénurie de matériel médical, l'aide humanitaire qui n'est pas à la hauteur, c'est clairement une guerre d'élimination. Et Israël se prépare à commettre l'irréparable, une attaque terrestre qui viendra s'ajouter à tous ces bombardements. Et au-delà des bombardements à Gaza, on en parle peu, mais c'est toute la Palestine et tous les Palestiniens qui sont attaqués, puisque en Cisjordanie, les attaques de l'armée israélienne et des colons ont fait 91 morts au cours des 10 derniers jours. Donc cette situation impose une protection urgente du peuple palestinien, où qu'il se trouve. Donc Monsieur Emmanuel Macron, qui est actuellement en visite en Israël, continuera-t-il, comme ça a été le cas juste ici, d'apporter son soutien inconditionnel à l'État d'Israël dans ses actions militaires? Est-ce qu'il va continuer à soutenir le droit d'Israël à se défendre, qui, dans l'oreille des dirigeants israéliens, a toujours été compris comme un permis de tuer? La France doit agir, et elle peut agir, elle en a les moyens, pour exiger le cessez-le-feu immédiat, pour l'arrêt des bombardements, pour obtenir qu'Israël renonce à son projet de déplacement de population et d'attaque terrestre. La France doit exiger la levée complète du blocus de Gaza et du siège de Gaza. Et en France, nous le disons haut et fort, nous ne lâcherons rien sur notre droit à manifester notre solidarité avec le peuple palestinien. Donc monsieur le préfet, monsieur le ministre Darmanin, monsieur le président Macron, la solidarité avec le peuple palestinien n'est pas un délit. Ils ne nous feront pas taire, ils ne nous feront pas taire. Nous continuerons à dénoncer les massacres de civils, quels qu'ils soient, parce qu'une vie ne vaut pas plus ou moins qu'une autre. Nous continuerons à dénoncer les crimes contre l'humanité commis par Israël à l'encontre des Palestiniens. Nous continuerons à dénoncer l'apartheid israélien, à lutter pour l'application du droit international et pour la libération de la Palestine. Nous continuerons à nous battre pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Vraiment visible dans la rue, on a arraché avec les dents ce droit à manifester, donc du coup, allons manifester. Donc ce qu'on vous propose, c'est, il y a juste un petit changement dans le cortège, on va descendre là par la rue piétonne ici, pour arriver place des Cordeliers, et on va aller jusqu'à la place de la préfecture, où les différentes organisations signataires de notre appel pourront prendre la parole. Voilà, donc je vous propose de vous mettre derrière la banderole qui sera un peu la tête du cortège. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. On est là. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniennes. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniennes. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniennes. Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous des Palestiniennes. Gaza, Gaza.
Palestiniens, Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous les Palestiniens, Gaza, Gaza, on est là. Nous sommes tous les Palestiniens, on est ici, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. Sous, solidarité avec la Palestine. 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 Solidarité avec la Palestine. Solidarité avec la Palestine. Gaza, Gaza, on est là. 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 Les Palestiniens, nous sommes tous les Palestiniens. De l'homme, le MRAP, le collectif sénonais de soutien aux exilés, la Libre Pensée, alors qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est excusée, la FSU, la CGT, Solidaire, la France Insoumise, le Parti Communiste et le PRCF 89. Voilà, donc on vous invite à venir prendre la parole pour chacune de vos organisations. Particulièrement Anna, par sa détermination qui nous a permis de dire au préfet que le droit, la liberté, était plus fort que son arrêté d'interdiction. Et ce référé a été obtenu effectivement dans un temps très court, et c'est justement l'intérêt de ces interdictions, c'est que parfois, le temps que revienne la décision de justice, eh bien, la manifestation est passée. C'est-à-dire que c'est arrivé dans d'autres endroits. En tout cas, nous, à l'OCR, merci en tout cas à toi et à la FPS de nous permettre de manifester aujourd'hui. Alors, je vais pas vous apprendre grand-chose, mais en tout cas, nous, le message qu'on voulait faire passer au niveau de la FSU, c'est celui qu'on partage tous ici, c'est celui de la paix. Israël-Palestine, c'est le titre de ce que je vais vous lire, choisir la paix. La FSU condamne les crimes de guerre perpétrés par le Hamas. En aucun cas, la fin ne justifie les moyens. La FSU exprime sa profonde inquiétude pour les populations prises au piège dans les combats. Pour la FSU, il est intolérable de s'en prendre aux populations civiles. La réaction de l'État israélien, visant elle aussi la population civile et punissant collectivement les Gazaouis, est aussi inacceptable. Elle entraîne la région dans une escalade de violence. Cette attaque sanglante du Hamas est une conséquence tragique de la politique agressive et meurtrière du gouvernement israélien à l'égard des Palestiniens, des territoires occupés, mais aussi des politiques colonisatrice et annexionniste, faite de la violation du droit et de crimes de guerre depuis 70 ans. Le règlement du conflit israélo-palestinien ne pourra se faire que dans le respect du droit international systématiquement bafoué par l'État israélien. Le retrait des troupes des territoires occupés, la fin de la colonisation, celle des discriminations subies par les Palestiniens en Israël et dans les territoires occupés, la reconnaissance internationale de l'État palestinien sont les seules bases possibles pour aller vers la paix.
La FSU appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un règlement pacifique du conflit sur la base des résolutions de l'ONU. Elle appelle le gouvernement français à reconnaître l'État palestinien et à faire pression sur les belligérants pour qu'ils entament des négociations de paix sur la base du droit international et de la justice. Merci pour votre écoute et merci d'être encore là. Oui, bonjour à tous. Donc je viens lancer un appel de la part de la Ligue des droits de l'homme, une mobilisation qui doit se faire la plus large possible pour la paix, pour la protection des populations civiles et pour un cessez-le-feu immédiat. Des crimes de masse visant essentiellement des populations civiles ont été commis les 7 et 8 octobre par des milices lourdement armées du Hamas dans le sud d'Israël. Ces actes révulsent en nous l'humanité, injustifiables, ils portent en eux le pire et n'annoncent que le pire pour tous les autres. Le droit d'Israël à la sécurité est incontestable, mais les gouvernements israéliens ont choisi de riposter en mobilisant une énorme capacité de destruction et de mort. À Gaza, véritable prison à ciel ouvert, ce sont plus de 2 millions de personnes qui subissent des bombardements massifs et fuient sans issue viable leurs maisons détruites. Le blocus, en vigueur depuis 2007, va aujourd'hui jusqu'à la privation d'eau, de vivres, de médicaments, de carburant et d'électricité, y compris dans les hôpitaux. Le siège total de Gaza imposé depuis plusieurs jours n'est pas une riposte proportionnée contre le Hamas, mais une punition collective contre la population civile de ce territoire. Elle a déjà fait plusieurs milliers de victimes dans la population civile. Le choix de la vengeance plutôt que de la justice a déjà été fait à de multiples reprises, sans jamais assurer à quiconque ni la sécurité, ni la paix, ni la justice. Parce que toutes les vies comptent, parce qu'elles condamnent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils aient été commis, nos organisations demandent à la communauté internationale, à l'ONU, au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à la France, de tout mettre en œuvre pour faire appliquer le droit humanitaire international. Ce droit exige, c'est la libération immédiate, sans condition, de tous les otages civils actuellement détenus, un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé des populations, la protection de toutes les personnes civiles, quelle que soit leur nationalité, la mise en place en urgence de façon durable et suffisante d'un corridor humanitaire permettant d'acheminer les produits de première nécessité et les médicaments. La levée complète du blocus de la bande de Gaza. Le cercle infernal de la terreur ne pourra être brisé que par le respect du droit, et d'abord du droit international humanitaire, le soutien à l'enquête de la Cour pénale internationale ouverte en 2021, la mise en place et le respect d'une paix durable entre les deux peuples. Nous appelons à la mobilisation la plus large possible pour que les populations d'Israël et de Palestine puissent enfin voir leurs droits respectés et protégés, notamment dans le cadre des résolutions de l'ONU de 1967. Donc il y a demain à Paris un appel à la mobilisation ouvert à tous ceux qui sont évidemment d'accord comme nous le sommes ici. Et c'est demain à Paris à 19h. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Le BRAF fait partie du collectif pour une paix durable entre la Palestine et Israël depuis très très longtemps. Et c'est un de ces combats, on va dire, importants et majeurs. Je partage évidemment ce qui a pu être dit par les autres intervenants. Je voulais intervenir sur un autre aspect. Pour moi, il est insupportable pour que ceux qui, depuis des années, ceux qui luttent pour la paix, notamment en envoyant des missions en Palestine, en envoyant des bateaux à Gaza, en manifestant, en organisant des parrainages, en organisant des aides à la cueillette des olives et tant d'autres petites choses pour maintenir la solidarité avec Gaza. Ceux qui œuvrent pour la justice, ceux qui œuvrent pour que le peuple palestinien expulsé, écrasé, colonisé par Israël survive, pour que les Gazaouis qui se meurent à petit feu, puissent à minima être aidés.
notre camp, nos organisations, accusés fortement de n'avoir pas d'empathie pour les massacres des civils israéliens, accusés d'avoir des indignations à deux vitesses. Ces organisations, les nôtres, interdites de manifester, accusées d'être pro-Hamas, accusées d'être islamistes, aujourd'hui traitées d'assassins à l'Assemblée nationale, avec une injonction d'utiliser un terme plutôt qu'un autre, accusées d'antisémitisme, alors, et j'insiste, que des juifs sont antisionistes, que des juifs israéliens sont antisionistes, ce qu'on ne dit pas assez souvent. Donc, cataloguer comme étant les mauvais, cette suspicion est inadmissible et révèle bien qu'il y a deux poids et deux mesures, mais pas de notre fait à nous. Pas de notre fait à nous. De notre côté, notre référence est la légitimité historique pour un territoire palestinien. C'est la seule garantie pour une justice et pour la paix entre Israël et Palestine. La déclaration du ministre de la Défense israélienne concernant Gaza, nous avons affaire à des animaux humains et nous les combattrons comme des animaux, est intolérable, comme sont intolérables les actes antisémites commis en France. Il y a déjà eu trop de morts. Le MRAP appelle au cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de négociations généralisées sous l'égide des Nations Unies, avec peut-être après une Nations Unie qui puisse avoir un poids réel et soit réellement représentative de tous les peuples à parité et à égalité entière. Mais ça, c'est une autre histoire. La seule solution pour mettre fin à l'horreur est la fin du déni des droits palestiniens, le respect du droit international, l'application des résolutions de l'ONU, l'arrêt de la colonisation, le démantèlement du mur et des colonisations. Cela passe aussi par la reconnaissance par le gouvernement français de l'État de Palestine et pas seulement par des mots, Monsieur Macron, pas seulement par des mots, par des actes. Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'association France-Palestine, Solidarité, pour l'organisation de ce rassemblement. Organiser un tel rassemblement dans une période de cabale médiatique contre les partisans de la paix est plus que courageux. La position de la France insoumise est la même depuis le début du conflit. Ni Israël, ni le Hamas, cessez le feu. Depuis le samedi 7 octobre, la France insoumise condamne de manière totale les crimes commis lors de l'attaque opérée par le Hamas sur le territoire israélien et tous les actes de terreur, crimes de guerre susceptibles d'être qualifiés en crime contre l'humanité par la justice internationale, comme dans le cadre de ce conflit, quels que en soient les auteurs. Nous qualifions de crime de guerre ce qu'Israël applique à la population de Gaza. Bombarder pendant des jours et des jours, voire des semaines, le territoire le plus densément peuplé au monde, qui est déjà sous blocus depuis 15 ans et dont on annonce désormais qu'il est sous siège, ça ne fait pas une politique. Ce sont des crimes de guerre qui viennent s'ajouter aux crimes de guerre et qui laisse présager un véritable nettoyage ethnique. Pendant des années, Netanyahou a soutenu le Hamas. Aujourd'hui, on en paie le prix. C'est la stratégie du pire qui a été choisie. En 2019, devant les députés du Likoud, Netanyahou disait « Quiconque veut contrecarrer l'établissement d'un État palestinien doit renforcer le Hamas et transférer l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. » Dans son souci de tuer toute possibilité d'issue politique, et négocier au conflit israélo-palestinien, le gouvernement israélien a joué avec le feu en favorisant le Hamas aux dépens de l'autorité palestinienne qui est reconnue par l'ONU. Cette imputation de crime de guerre est bien plus grave que celle de terrorisme. Dans ce moment où depuis 14 jours les bombes s'abattent sur Gaza, en France, regroupés en carré derrière le gouvernement de M. Macron et de Mme Borne, de LREM au RN, en passant par Zemmour, c'est le soutien effréné au gouvernement de M. Netanyahou qui massacre et qui bombarde. Estimant nécessaire de faire diversion, ils engagent une campagne de mensonges et de calomnies contre tous ceux qui voudraient permettre et qui imposent tout de suite le cessez-le-feu. Cible privilégiée, LFI, Mélenchon. Mais pas seulement. Toute voix à peine discordante est visée, jusqu'au footballeur Karim Benzema,
objet d'une calomnie, d'un mensonge dont le but à peine voilé est de dresser en France arabes, musulmans, juifs, catholiques, français, les uns contre les autres. Ce dimanche, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, quatrième personnage de l'État, a effectué un voyage en Israël en compagnie de plusieurs députés va-t-en-guerre. Avant même que le débat ait eu lieu à l'Assemblée, elle est allée y renouveler sa ligne de soutien inconditionnel à la riposte du gouvernement suprémaciste de Netanyahou, afin de faire pression sur la ligne de la diplomatie française. Devant la montée des protestations, y compris parmi les députés de la majorité, la présidente de l'Assemblée nationale tente d'allumer un contre-feu indigne. Elle le fait en ciblant Jean-Luc Mélenchon, qui porte pour sa part la voix du cessez-le-feu et de la paix, prétendant que l'usage du verbe « camper » serait antisémite et grotesque. La lutte contre l'antisémitisme est un sujet trop sérieux pour qu'il soit dévoyé par des mensonges indignes. Nous avons par ailleurs adopté une motion dans l'Yonne de soutien aux militants politiques, militants associatifs et militants syndicaux qui subissent des attaques infâmes suite à leur position dans le sujet du conflit israélo-palestinien. Motion déjà signée par plus de 70 personnes. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte en paix et en sécurité. Pour nous, toutes les vies ont la même valeur. Nous dénonçons donc les crimes de guerre du Hamas et les crimes de guerre d'Israël. Cessez le feu. Voilà le mot d'ordre qui retentit dans le monde. Cessez le feu, voilà le message qui nous vient du secrétaire général de l'ONU, du pape, de nombreux chefs d'État d'Irlande, de Suisse, d'Espagne, du Mexique et de tant d'autres. Cessez le feu. Voilà ce qui a rassemblé des dizaines de milliers de citoyens à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaire, d'Attaque, de la France Insoumise et d'autres organisations. Et voilà ce qui nous rassemble aujourd'hui. Je vous remercie. Insister sur l'essentiel. Nous sommes ici rassemblés pour le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu inconditionnel des deux parties, c'est l'essentiel aujourd'hui. Alors vous me direz, tout le monde le dit. Pas tout le monde. La première ministre, elle dit, on va faire une trêve humanitaire pour aller vers le cessez-le-feu. Non, nous on dit, le cessez-le-feu, c'est tout de suite, on arrête le massacre, on arrête les tueries. Sinon, ça va continuer, ça va ajouter des morts aux morts déjà. La deuxième question que je voudrais, sur laquelle je voudrais insister, c'est que tout cela ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas parce qu'il y a eu essentiellement l'attaque du 7 octobre. Ça dure depuis longtemps, depuis 75 ans. Le peuple palestinien est privé de sa patrie. Le peuple palestinien a été victime une première fois en 1948 de ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire que 800 000 Palestiniens ont été expulsés d'Israël, de ce qui devait s'appeler, ce qui s'est appelé Israël. Ils habitaient là-bas, ils avaient compris selon leur famille qui était là, on les a expulsés. Donc ça ne tombe pas du ciel. Et puis, qu'a fait la communauté internationale pour favoriser un processus de paix? Alors on nous dit les accords d'Oslo. Mais en fait, depuis, qu'est-ce qu'il y a eu? Au contraire, la colonisation des terres palestiniennes a augmenté considérablement. Il y a 800 000 colons en Cisjordanie. Et des colons qui se croient tout permis. Alors déjà, ils sont protégés par l'armée. Ensuite, ils se jettent dans des exactions terribles en tuant des Palestiniens, en arrachant les oliviers, qui est une culture les plus importantes en Palestine, en brûlant les champs d'oliviers également. Et donc, tout ça, cette situation n'est pas tombée du ciel. Il y a eu une volonté de la communauté internationale de laisser faire, parce qu'en fait, ils soutiennent le gouvernement israélien, quel qu'il soit. Autre question, et ça, vous aurez remarqué que dans le discours du président de la République l'autre jour avec Netanyahou, Macron n'a pas prononcé le mot colonisation. Il a peut-être oublié, en fait je ne crois pas. C'est quand même scandaleux de parler de la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, et de ne pas parler de la colonisation, parce que c'est ça qui est la raison fondamentale du conflit et de la discrimination à l'encontre des Palestiniens. De même, évidemment, il n'a pas parlé d'apartheid.
L'apartheid, c'est un système de discrimination qui est organisé par Israël, comme c'était le cas en Afrique du Sud avant que Mandela ne prenne la direction de l'Afrique. L'apartheid, c'est Israël qui se définit comme l'État-nation du peuple juif. Et dans la loi fondamentale qui a été votée par la Knesset, hein, les parlementaires israéliens, pas tous, heureusement, on dit que seuls les juifs, ceux de confession juive, ont le droit à l'autodétermination. Ça veut dire que les autres n'ont pas le droit de s'autodéterminer. Les autres sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Et dire cela, ce n'est pas être antisémite. Enfin, une autre question. On se pose comment aider. Comment l'Europe, l'Union européenne, pourrait aider à la résolution du conflit. Eh bien, moi, je le dis, plutôt que de prendre position en permanence pour soutenir l'aventure guerrière des Israéliens, l'Europe pourrait dénoncer l'accord de coopération et d'association qui existe entre l'Union européenne et l'Israël. Ce qui est quand même proprement scandaleux quand on voit comment Israël dénie le droit international et le viol. Dernière chose, et après je m'arrête, c'est la question de l'avenir. Il faut relancer le processus de paix, certes, cesser le feu tout de suite, mais ensuite il va falloir se mettre à reconstruire et à construire une solution pour une paix juste et durable entre les Israéliens et les Palestiniens. Alors, on nous dit deux États. Soit c'est le droit international, mais encore faut-il qu'on s'entende bien. Parce que Macron aussi, il est pour deux États. Biden aussi, mais ce n'est pas du tout ce qui est prévu dans le droit international. Le droit international, c'est les frontières de la Palestine, c'est Gaza et la Cisjordanie sur la base des frontières de juin 67. Or, ce territoire-là, il est mité par les colonies israéliennes. Donc, la solution pour qu'on ait un véritable État palestinien dans cette perspective de deux États, c'est que l'on démantèle les colonies et qu'on laisse la terre à ceux qui en sont les propriétaires, les Palestiniens. Donc voilà cette question. Enfin, une dernière chose, tout le monde est pour la libération des otages. Il ne faut pas nous la faire. Mais si nous sommes pour la libération des otages du Hamas, nous sommes aussi pour la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. Et ils sont plus de 5000 détenus dans les geôles israéliennes. Des militants, mais aussi des femmes, des enfants, des vieillards. Voilà, donc merci pour ce rassemblement. À bientôt. Le 7 octobre, une étape a été franchie. C'est la guerre, a immédiatement proclamé le Premier ministre israélien Netanyahou. Faut-il rappeler que la guerre n'a pas commencé ce 7 octobre 2023 ? Cela fait, comme le disait le rappelé notre camarade, 75 ans qu'elle dévaste la région. Depuis 75 ans, le peuple palestinien est expulsé de sa terre, chassé de ses villages, ses maisons sont détruites. Depuis 75 ans, il se voit interdire le droit au retour et confronté à une colonisation qui dévore toujours plus la terre palestinienne. Soumis à un véritable régime d'apartheid, c'est de discrimination, d'oppression, d'humiliation et n'a pourtant jamais cessé de résister et combattre. Le POID réaffirme son engagement inconditionnel pour la paix. Partisan du droit de tous les peuples à la liberté, à la souveraineté et à l'indépendance, il est solidaire de l'aspiration légitime du peuple palestinien à vivre sur la terre de ses ancêtres. Pour que les mots « paix, juste et durable » se chargent d'un véritable contenu, il faudra que tous les habitants actuels de la terre de Palestine, ceux qui vivent dans les limites de l'État d'Israël, en Cisjordanie et à Gaza, puissent à égalité partager une même citoyenneté et les mêmes droits, quelles que soient leurs origines, leur culture, leur langue ou leur religion, qu'ils soient juifs ou arabes. La logique de l'extrême droite sioniste est d'aller toujours plus loin. Si elle pouvait se débarrasser définitivement du peuple palestinien, elle n'hésiterait pas. Mais le peuple palestinien existe. Il a le droit de vivre à l'égal de tous les peuples de la région. Tous, juifs ou arabes, devraient pouvoir vivre dans une société à l'abri des massacres, des expulsions arbitraires et des discriminations,
dans un État qui reconnaisse les droits égaux de tous sans distinction. Pour cela, il faut arrêter le bras meurtrier de Netanyahou, imposer l'arrêt des bombardements et la levée du blocus. L'intérêt commun de tous les habitants de la région, juifs et arabes, est d'empêcher la nouvelle Nakba. Le peuple palestinien n'est pas seul. Les peuples dans le monde entier, par millions, se dressent solidaires. En France, ce n'est pas les manœuvres, les atteintes au droit de manifester qui nous empêcheront de manifester notre solidarité pour exiger l'arrêt des bombardements, le lever du blocus et dire non à une deuxième Nakba. J'ai été algérien, ma mère est française, et en fait, je suis très contente qu'il y ait des jeunes ici qui sont de la même origine que moi. Ce n'est pas forcément le cas dans les manifestations en général, donc je tiens à le souligner. Ce que je voudrais dire aussi, et pour moi qui est très important, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, pas seulement de l'Algérie, mais des peuples en général, et des classes ouvrières multiethniques ici ou ailleurs. Et ce que je me dis, c'est que le droit international, il décide ce qu'il veut. Au début du XXe siècle, la Syrie, le Liban étaient des protectorats français. L'État britannique avait sous la main la Palestine, qu'ils ont vendue à l'État d'Israël. Et les choses, malheureusement, se passent comme ça depuis fort longtemps et depuis que ces systèmes capitalistes tirent profit des populations en essayant de les diviser par le racisme. Et ce que je voulais dire, et je ne serai pas longue, c'est que finalement, ce qui se passe à Gaza et dans les territoires occupés en Palestine et en Israël, finalement fait écho à ce qui se passe ici, notamment en France, par rapport au racisme. S'il y a aussi peu de monde aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'en France, et j'ai des exemples très précis, ici il y a beaucoup de gens qui ont des exemples, si vous portez un foulard, vous êtes potentiellement du Hamas ou un terroriste, si vous avez le type arabe, vous êtes potentiellement un terroriste, si, etc. Et quand est-ce que la classe ouvrière française va s'unir contre le racisme et l'islamophobie réellement? Je fais un appel solennel parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'unité, que nous sommes divisés et que le racisme fonctionne et qu'il est temps de se réveiller parce que là, il y a des militants CGT du nord de la France, de la Fédération du Nord de la France, qui ont été arrêtés parce qu'ils ont écrit un tract où seulement ils exprimaient des choses qu'on exprime aujourd'hui. Simplement, les préfectures, elles sont à l'assaut de toutes les personnes qui sont en opposition. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, qu'il soit pas du côté de l'extrême droite, mais vraiment du côté de la lutte des classes. Pas contre race, mais classe contre classe. C'est ça l'avenir de la Palestine. D'une Palestine et d'un État palestinien et juif réunis. C'est ça l'avenir ici aussi. Avant qu'on s'éclate la gueule tous. Nous avons essayé d'organiser quelque chose sur Avalon et monsieur le préfet nous a interdit effectivement la manifestation sur Avalon. Alors que depuis le mois de janvier pour la réforme des retraites, pendant 6 mois d'affilée, nous avons fait des manifestations de tout genre. Voilà. Et ce soir, on comptait organiser effectivement une retraite au flambeau à 18h30. Mais sans doute que monsieur le préfet a eu peur qu'on mette le feu, je suppose que ça pourrait être cela. Oui, je pense que vraiment, c'est grave. Alors, je pense qu'on va réfléchir, on est en train d'essayer de réfléchir pour avoir d'autres actions. Voilà, donc je pense que c'est important parce que je sais que du côté de la Vallonnais, les gens ne se déplacent pas forcément sur Auxerre. Donc voilà, mais c'était pour vous dire que, un message de soutien, et c'est pour ça qu'on est venu, parce que vraiment, ça nous faisait mal de ne pas pouvoir manifester sur Avalon aujourd'hui. Nous ne sommes pas dangereux, Gaza est en danger. Merci vraiment infiniment à tout le monde. Pensez à ramener les drapeaux, parce qu'on n'en a pas beaucoup.